Bonjour à tous, je suis Alexander Collins, du clan des Collins, et bientôt directeur de la première école de sorciers en France. J'ai le plaisir de vous annoncer que je vais bientôt ouvrir mon école de sorciers. J'ai obtenu la semaine dernière l'autorisation de la part du ministère des Vampires et de mon clan d'ouvrir une école de sorciers. Collinsar est actuellement en construction. Elle ouvrira ses portes et accueillera ses premiers élèves le 4 septembre 2017. C'est une première en France, car aucune école de sorciers n'existait avant. Collinsar se situe en plein cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, plus précisément au métro Pigalle. Vous y rendre sera vraiment très simple. En effet, il suffit juste d'emprunter le Collinsar Express jusqu'à Gare du Nord, puis de faire une correspondance sur la ligne 2, direction Porte Dauphine, et de vous arrêter à Pigalle. Collinsar se situe en plein cœur du ministère des Vampires, dont voici l'adresse. Comme vous le savez, Collinsar est la toute première école de sorciers en France et la deuxième école de sorciers en Europe. Rejoindre Collinsar, c'est finalement choisir un tremplin vers la réussite professionnelle. Car Collinsar ne forme pas seulement au métier de sorcier. Rejoindre Collinsar, c'est suivre une formation de qualité sur la magie, ainsi qu'une formation sur la métamorphose, le vampirisme. Plusieurs options peuvent être choisies, telles qu'alchimiste, druide ou encore plein d'autres. En seulement 5 ans, Collinsar vous permettra d'obtenir un diplôme de sorcier, reconnu par l'État et par le ministère. En ce qui concerne les inscriptions, elles débuteront exactement le 15 mai. Les conditions pour être admissible sont les suivantes. Être un humain, vampire ou loup-garou. Les autres races ne seront pas acceptées au sein de l'école. Il vous faudra remplir et envoyer ce dossier à l'adresse suivante. Pour information, les frais d'inscription et de scolarité sont totalement gratuits. C'est-à-dire que vous n'aurez rien à payer. Je vais donc maintenant vous expliquer la démarche pour vous inscrire à Collinsar. Premièrement, vous devrez télécharger le formulaire d'inscription. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Voilà à quoi ressemble la fiche d'inscription. Vous devrez donc inscrire votre email où l'on vous enverra votre lettre d'acceptation à Collinsar si vous êtes admissible. Ensuite, vous devrez choisir vos deux options parmi les quatre disponibles qui sont druide, alchimiste, ingénieur, magicien ou médecine magique. Il vous suffira donc d'entourer deux des options disponibles. Puis, vous devrez choisir votre régime, externe ou demi-pensionnaire. Là aussi, si vous choisissez demi-pensionnaire, c'est-à-dire de manger à la cantine est totalement gratuite. Nous vous demandons aussi de nous dire si vous avez des allergies ou autres problèmes potentiels pour que nous puissions adapter les cours à vous. Puis, en bas de la fiche d'inscription, nous vous avons inscrit les fournitures à ramener et les fournitures fournies par l'école. Les fournitures à ramener sont un balai en paille de riz. Voici à quoi ressemble un balai en paille de riz. Et pour finir, vous devrez signer le document. Une fois le document rempli et envoyé par la poste, vous recevrez sous réserve d'acceptation un email à l'adresse email que vous nous avez donnée. Les dossiers d'inscription doivent être envoyés à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Et nulle part ailleurs. Pour finir, voici à quoi pourrait ressembler le potentiel emploi du temps du premier trimestre de la première année à Collinsar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'aimerais aussi que ceux qui envoient le dossier d'inscription à Collinsar se fassent connaître en envoyant un commentaire disant qu'ils ont envoyé le dossier à Collinsar pour que nous puissions commencer à préparer les classes et à prévoir la taille des aménagements à construire. Merci et à bientôt à Collinsar.